fleurs, est-ce que ça vient de quelque chose? Non. En Wallon, la tourbe, c'est de la truffe. Ils sont allés faire des truffes. Oui. Ils faisaient des truffes. Des truffes ou des... on va pas voir. Hein. Mettez la pub, nous, une chose. Voilà, pour moi, ok. Voilà, les opérations. Tout d'abord, ici, vous voyez, la paroi, elle sèche ou elle gèle. Donc, au printemps, il faut la renouveler, si on veut. Ou dilaver. Alors, on arrive, il faut absolument que l'écoulement soit bien propre. Ici, la tour, elle a quelle hauteur? Et on vient rechercher. Voilà, ça c'est l'équipe qui travaille en haut dans la réserve. Ça, c'est Madame Brasseur, c'est une de l'université de Liège qui était venue avec. Celui-là, je ne le connais pas. Allez, chaque année, on a voulu mettre avec le rayon. C'est tout nouveau, on est derrière. Oui, c'est ce qu'il cherche. La composition de tout ça. Oui, c'est ça. Mais dater aussi les végétations. Oui, les gens vont les donc, c'est pour dégager le gazon supérieur. Je ne vais pas dégager ici. On va dégager un autre là, qui est prêt à tomber. Moment-là, on promet. Voilà, le bloc. Le déposé. C'est ça qui est. Pour pouvoir avoir des mécaniques à la rigole. Mais comme on a déjà
travers le mur, jamais jusqu'en dessous, il finit par avoir une qui normalement le fait. Parce que plus est-ce qu'on avance, pour faire avancer. Et la paroi, si vous remarquez, la paroi n'est jamais droite, elle est toujours un peu inclinée. Pour que l'eau puisse. Pas seulement ça. C'est que quand ils vont faire peut-être un mur, la paroi c'est pour marcher. Tu elle ah oui, dépose elle aussi. J'ai vu aussi, enfin il y a un musée de la forêt où il y a aussi. 4 heures. Vers 5 heures, oui, on a été. Enfin, on commence à faire clair alors. Peut-être on l'est pas plus tard. On va sur la muraille, donc où j'ai coupé le gazon. Normalement, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, on découpe. Toujours un peu en biais. Pour que l'eau s'écoule bien. Alors, donc on faisait tout le tour ainsi. On prend généralement 3 tourbes. Je vais en prendre 4 ici pour vous montrer comment on les coupe aussi. Hein? Voilà. Toujours bien droit. Donc on essaye la pelle. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et vous coupez. Là. Et puis la quatrième, il faut vraiment couper. Puis on prend la quatrième. Il la dépose, lui va mettre directement sur l'ouvrier. Non, on va la déposer là. Ça va. Elle tient bien, elle ne casse pas. Non, non. 4. Oh, quel travail. Alors, celle du dessus. Alors, 15 jours après, ils sont venus. On pourra voir aussi toute une cassette sur le jeu. L'année dernière, nous avons fait la route, la deuxième. Ah oui, là. Il est venu à Mordia, il est venu à la Désolé. On tape la main, on enfonce comme ça, pour couper le bord. Oui. Voilà, très bien. Deux fois. Hop là. Encore une fois. Trois fois. À fond. Ça va, c'est bien. Pousse. Encore un peu plus. Maintenant tu prends la quatrième. C'est vrai quelque part. Bien à fond. Bien le standard de la briquette. Maintenant tu essaies de sortir. C'est vrai, on me demanderait maintenant un standard de briquette. Magnifique, hein? Magnifique. Oh là là. Alors, ici, le reste, ceci, vous avez toujours Je suis sûr, s'il n'y a plus de place. C'est pas lui, je rappelle. C'est ça.
Alors, voyez-vous, dans l'industrie ici, ces brouettes-là, elles roulent et déplantent. Il a mis des... Pour faire une hauteur de 20 cm, et puis qu'il butait le toit en sol. Donc, elle restait comme ça. Et vous tous, c'était combien de petits? Toujours 24 sur la brouette. Et on les coulait plus tard. Oui, oui, après, c'est en fait tout ça. Alors, ici, vous avez monté la montage. On va pouvoir faire ici, 4, une devant l'autre. Alors voilà, on a mené le tout. Enfin, les dames ont mené le tout. On les prenait une après l'autre. On les disposait, comme vous l'avez expliqué, dans le bas dominant. Et on caresse la tourbe. On passe la main dessus. On caresse la tourbe. Oui. Ah bien. On va vous expliquer pourquoi. On a une derrière l'autre qui caresse la tourbe. C'est un entraînement pour quand il rentre le soir, il va commencer à caresser sa femme. Uniquement à côté. Oui. On va vous expliquer. Ça, c'est pas dans les lits. Ça a une raison. Non, ça a une raison. Vous allez bien précise. La pluie de rentrée. Mais de toute façon, quand une tourbe est sèche, elle ne prend plus l'humidité. Il faut la passer au moulin pour de nouveau. Une tour qui a été faite au mois de mai, peut-être ceci. Il peut pleuvoir dessus. Mais c'est un petit sou. Mais c'est vraiment une branche. Regardez, il y a toujours le boulot. Distinguer toujours que c'est un bon. Regardez l'écorce, elle est toujours visible. Oui, hein. Ça dépend la profondeur et vous savez dire de quelle année elle est. Si elle est à 1 mètre de profondeur, elle a 1000 ans. Et on en trouve souvent du bois. De... Oui, oui. Ça, c'est... Ah. Mais c'est... Il avait... Il coupe l'arrière, et puis alors, voyez-vous, il se met comme ça, et ça, c'est la largeur de la briquette. Et il doit toujours avoir ça. Et il se la passe l'un à l'autre. Alors, ils ont cette pelle-ci. Alors voilà la pelle. Ouh là là. Ah non. Qui prenait? Non, ce sont... Si j'ai cru que c'était... Voyez-vous, elle reste comme ça. Voilà les trois briques et celles qui sont dans ça. Voilà, et elle reste comme ça jusque vers le... Enfin, au bout d'un mois et demi. Alors, on la met comme ça. Une là et une au-dessus. Voilà. Le dos, il devait trinquer. Et celle-là, c'est sur la journée. Ah voilà. C'est un peu mieux le lieu d'un point de vue botanique et tout ça, mais on peut...
Ici. Oui, vous finissez. C'est la balade que quand vous faites tout le tour de la famille ici. Ah bon.